grosso modo, je viens aborder les questions d'économie. Mais pour politiser les questions d'économie, parce que c'est les grands enjeux de débat idéologique et de combat, on a vu avec la loi El Khomri, avec la bataille sur l'emploi, renvoie à des questions économiques qu'il faut qu'on maîtrise collectivement, qu'on développe. Et il y a la question de, comment dire, la construction d'une perspective de transformation, quel type de société. Donc moi j'ai abordé la question des banques, qui est fondamentale. Je pense qu'il faut que... On voit à quel point la prise de pouvoir politique doit nous permettre de prendre pouvoir sur les banques. Et donc toute une pensée nouvelle pour un nouveau crédit, une nouvelle banque qui va appuyer une transformation sociale. On voit bien ce qui s'était passé en Grèce l'an dernier. Bon. Et de le relier avec les questions de l'emploi, du social, donc la bataille sur la loi El Khomri. Demain, on va faire une matinée sur l'acte 2 de la loi El Khomri, enfin la bagarre de l'acte 2 de la bagarre, et pour une alternative. Et la grande question, c'est effectivement, il faut sécuriser l'emploi et la formation, il faut une toute autre vision de l'emploi et la formation dans la nouvelle société. Mais pour ça, quels sont les obstacles? Et c'est ces questions de l'argent, de la banque, de la finance qu'il faut maîtriser. Donc comment on maîtrise ça? Comment on l'attrape? Où c'est? Comprendre ces enjeux, comprendre ces mécanismes. Et donc j'aborde ça demain. Aujourd'hui, entre les deux, j'ai abordé les questions de la nouvelle pensée économique et les enjeux d'une nouvelle pensée économique, façon de voir les transformations technologiques en cours, ce qu'elles appellent, les débats dans la pensée économique, les oppositions qui se font, mais aussi le besoin de dépasser l'idée intervention de l'État ou pas. Non, c'est quel type d'intervention et avec à nouveau la question des banques et du crédit qui est au cœur des leviers pour d'autres buts. Et forcément, c'est très politique, puisque hier, on a abordé la question de l'idée prétendument qu'il y aurait deux gauches irréconciliables, avec un chercheur qui a fait une thèse sur le Parti Socialiste et l'économie. Et au cœur de la question de la conciliation ou la non-réconciliation, ou en tout cas la possibilité de travailler avec deux gauches, ça ne veut pas dire la conciliation de sommet, c'est ces questions de l'économie et de la bagarre qu'on peut mener sur l'économie, qui est une question très politique, parce que le capitalisme fait que l'économie prend du pouvoir politique sans qu'on s'en aperçoive. Donc voilà un peu ce que moi je suis venu faire à l'université d'été. La loi El Khomri, l'alternative à une loi El Khomri, c'est absolument nécessaire parce que je pense qu'on est d'autant mieux contre quelque chose qu'on voit ce qu'il faut faire à la place. Donc construire une alternative et s'approprier une proposition, on a rédigé une loi alternative et comprendre la logique d'une loi alternative qui peut encore se développer, c'est nécessaire pour la bataille contre la loi El Khomri et pour construire une bagarre présidentielle, une bagarre politique qui permet de faire des alternatives. Parce que je pense que il y a besoin dans la présidentielle de faire monter ces enjeux-là, d'autres pouvoirs sur l'argent pour une véritable sécurisation de l'emploi et de la formation. Donc ça, c'est vraiment décisif pour les communistes. Et de même que les questions d'idées, parce que si on se fait avoir dans le débat d'idées avec des approximations, l'idée qu'il suffit simplement de limiter la finance, ou qu'il faut simplement de l'intervention de l'État, mais on se retrouve complètement à la remorque de toutes les politiques dont on souffre aujourd'hui. Par contre, il faut voir effectivement ne pas culturellement se faire dominer pour réussir la transformation. On voit bien finalement, c'est ce qu'on avait discuté hier, avec le PS, le Parti Socialiste, la grande question finalement elle a été culturelle, c'est-à-dire qu'on s'est fait dominer culturellement dans la bagarre au gouvernement, sur le pouvoir, sur ce qu'il fallait transformer. On a nationalisé sans changer les gestions. Tous ces enjeux-là nécessitent de passer à une autre dimension pour les communistes. Et je crois que le moment, vu la gravité de ce qu'on vit, le moment, c'est celui-là aujourd'hui.